Bienvenue à chacun de vous pour la série Les valeurs sur la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de coopération avec Sister Judy Rogers des États-Unis. Elle demeure à Peace Village. So welcome all of you, Alors, bienvenue à tous aux Valeurs pour la vie. C'est un épisode spécial pour Noël et nous sommes très fortunés d'avoir Sister Judy Rogers directement de Peace Village dans les Catskills aux États-Unis. Avant de continuer, Sister Judy Rogers has been with the Brahma Kumaris for a long, long time, almost more than 25 years. Donc, Sister Judy est avec les Brahma Kumaris depuis plus de 20 ans, 25 ans. Merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui avec dans cette période très occupée. Je vais dire quelques mots à propos d'elle. Donc, elle nous joint depuis Peace Village aux États-Unis. Pendant toute sa vie, elle avait été sur des programmes globaux, le dialogue de Call of the Time. Elle a été inspirée avec cela depuis 1998. L'autre aussi, Images and Voices of Hope, depuis 20 ans. Et Global Functioning Initiative depuis les années 60. Elle fait partie de l'équipe qui ont écrit le livre Elle a été inspirée par la sagesse de Daddy Janki. Comme toujours, je vais parler de Sister Judy sous la forme d'un poème et le thème aussi de la coopération. Sister Judy est en service à Peace Village et le rythme de son service a pris une ampleur considérable. Pour le Suprême, elle est une image étincelante et précieuse, détenant toutes les vertus et les pouvoirs dans sa grande boutique. Ses discours empêchent les gens de déraper car elle les inspire à avoir une vision à envisager. Pour sa sagesse spirituelle, nous lui rendons hommage. Comme elle le dit, la vie est vraiment libre. Ne vous inquiétez pas pour l'hypothèque. Aujourd'hui, je vais aller dans la valeur aujourd'hui de la coopération. Aujourd'hui, elle nous guidera sur la façon de construire la coopération afin que nous nous aidions mutuellement dans la vie sans aucune hésitation. La vie autrement, avec ses défis, peut être une grande complication, mais elle nous offre des solutions de simplification. Ne regardons pas la vie avec une anticipation pessimiste. Le vide à l'intérieur crée une forme de privation spirituelle. Connectons-nous au Suprême avec la plus grande persuasion qui nous garde en sécurité, loin de toute invasion de Maya. Je suis sûre qu'elle va parler de ce qu'est Maya et je vais demander à Sister Claudia, le coordonnateur du centre de Vancouver, de l'accueillir. Merci.
Bonjour, joyeux Noël. Donc, et bonsoir pour ceux qui sont ailleurs. Aujourd'hui, quelquefois, nous ne savons pas à quel point la coopération est importante dans nos vies. Nous savons combien l'âme prend de coopération du corps et le corps aussi doit prendre la coopération de l'âme. C'est une très belle valeur pour nous qui est très profonde et je suis certaine que nous allons beaucoup apprendre de Sister Judy. Alors, j'aimerais au nom de tous te souhaiter un joyeux Noël et t'offrir ces fleurs qui ont la couleur de Noël. Judy dit, c'est très joli. Alors, merci de nous tous. Judy dit, merci, Sister Claudia. Merci au poète aussi. Brother Manoj. C'est incroyable. Elle dit, je pense que tu devrais ajouter cela à ta signature. Donc, médecin pédiatre et aussi. Donc, quelques instructions. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour l'interprétation. Choisir votre langue et Sister Judy va parler pour 50 minutes. Et soyez libre d'envoyer les questions à Brother Manoj. Alors, bonjour à tous, où que vous soyez, si vous célébrez Noël. Donc, alors, joyeuse veille de Noël. Quelquefois, c'est plus important la veille que la journée même. Donc, aussi, c'est la journée la plus courte de l'année et la journée la plus longue. Nous pouvons parler de quelque chose, à quelque chose que vous parlez vraiment plus profondément. Et Brother Manoj a beaucoup réfléchi sur la coopération. Je vais vous dire je vais partager ce qui vient à mon cœur et de mon esprit. Alors, je vais débuter avec la coopération. C'est une loi universelle. Tu vois, c'est ces lois qui soulignent tout dans le monde de la nature. Nous voyons que les êtres humains ont besoin d'oxygène, n'est-ce pas? Nous prenons de l'oxygène et nous expirons l'oxyde de carbone et toutes les plantes prennent l'oxyde de carbone et renvoie de l'oxygène. Donc, c'est un niveau très basique ou la fondation de l'oxygène. Nous voyons beaucoup de coopération entre les animaux. Nous voyons donc de ces gros animaux qui viennent dans la forêt, par exemple, rentrent dans la forêt, nous voyons les petits oiseaux qui viennent les nettoyer de leurs petits insectes. Donc, on pense que dans la forêt, les arbres se battent pour la lumière, mais en fait, dans la terre, il y a ces racines qui se joignent. Donc, s'il y a une maladie ou si un arbre a besoin de quelque chose, il y a beaucoup de coopération à l'intérieur. Donc, c'est la loi de la coopération. Elle est dans tout l'univers. Nous le voyons consciemment, les parents qui coopèrent de prendre soin des enfants. Et ensuite, lorsqu'ils vieillissent, les enfants
selon leurs capacités, vont prendre soin d'eux. Au moins, c'est ce qui a été, ce qui est dans l'équilibre de des cultures. Lorsqu'une culture ou la nature ou un système est en équilibre, la coopération, c'est la loi naturelle. Maintenant, lorsque le corps, regardons le corps. Sister Claudia a apporté l'aspect du corps physique. Si vous devez courir pour votre avion, vous êtes en retard et vous devez courir, tout votre corps va coopérer, vos muscles, cœur, même votre respiration vont coopérer pour être capable de courir jusqu'à la barrière. Et d'un autre côté, vous vous reposez et vous récupérez. Même si quelque chose aussi petit qu'une coupure de papier, votre corps envoie tout ce qu'il peut vers la blessure. Le sang, la pharmacie guérissante du corps va vraiment coopérer pour guérir. Alors, cette coopération est vraiment, c'est un principe universel, c'est la nature à l'extérieur, c'est dans notre culture et c'est aussi à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a quelque chose qui voyage avec la coopération. Et je vais l'apporter au début, je vais revenir là-dessus, ce qui est l'amour. Alors, lorsque nous apprenons à propos de la coopération, nous apprenons aussi le principe de l'amour. Je ne parle pas ici à propos de l'amour romantique, même si c'est quelque chose. Je ne parle pas de Bollywood. Ce que je parle, c'est lorsque nous avons cet amour illimité pour quelqu'un d'autre. Ce qui vient, c'est qu'il y a un respect naturel. Nous les voyons devant nous comme étant dignes, donc dignes d'être respectés. Ils ont beaucoup de valeur. Ce qui vient avec l'amour, c'est la miséricorde. Nous avons ce sentiment naturel que celui-ci a est digne de notre sympathie, notre coopération naturelle. Donc, avec la sympathie, il y a de l'amour. Si quelqu'un a des défis, nous avons une sympathie naturelle pour cette personne. Nous comprenons que la manière que la conscience fonctionne, et je pense que tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont des étudiants de la conscience d'une façon ou d'une autre. Donc, nous comprenons que la façon que la conscience fonctionne, ça débute avec notre conscience intérieure. Et c'est cet état intérieur, nous parlons de cet état intérieur qui est l'amour. Donc, la conscience la plus élevée, c'est l'amour, c'est la graine pour la coopération à la fin. Si nous avons cet état d'amour à l'intérieur, donc notre attitude devient celle de la miséricorde, du respect, de la sympathie, de la bonté, de la compassion. Oui, alors nous avons cela naturellement. Nous n'avons pas besoin d'y travailler. L'attitude dépend de la conscience. Et dans cette attitude, il y a tous ces ingrédients pour. Alors, avec quelle vision est-ce que nous allons voir l'autre? Nous allons avoir une vision, les autres avec cette vision d'amour. C'est naturel, nous n'avons pas besoin de travailler là-dessus, non. Cette vision coule de notre attitude. Et si votre conscience est aimante, votre attitude est miséricordieuse et bonne, votre vision est bonne aussi, qu'est-ce qui va sortir
de votre bouche ou quelle action allez-vous prendre? Vous allez naturellement coopérer avec cette personne. Vous allez naturellement leur donner ce qu'ils ont semble avoir besoin. Vous n'allez même pas y penser. Vous n'hésiterez pas à dire, oh, attends une seconde, non, laissez-moi penser à celle-là. Non, votre état intérieur va vraiment se propager à l'extérieur et en prendre soin. Et je peux dire, lorsque nous faisons ces actes d'amour, qu'est-ce qui arrive? Lorsque je fais cette action naturelle d'amour dans notre comportement, deux choses vont arriver. La première chose, c'est le principe du karma. C'est une action. Karma, c'est une action. Je fais quelque chose d'aimant et cela va me revenir. Donc, je vais avoir une réponse aimante. Et l'autre chose aussi, c'est que je reçois des bénédictions, n'est-ce pas? Si je regarde quelqu'un qui boite ou qu'ils ont dit la mauvaise chose et que je leur donne je les aide et disent « bless you ». Alors, merci, que Dieu te bénisse en fait. Merci pour cela. C'est la dynamique spirituelle de coopération. Maintenant, qu'est-ce qui interrompt la coopération? Si c'est une loi naturelle, alors pourquoi est-ce que nous ne coopérons pas naturellement avec tous? Je dirais, vous suggérer que la vraie interruption de l'amour et de la coopération, c'est l'ego. Ego veut dire que lorsque quelqu'un est dans un état d'ego, égotique, il croit qu'ils sont plus importants que tout ce qui soit autour. Ils croient que leur personnalité, leur soi physique est primordial. Donc, ils auront la pensée, je vais faire ce qui fonctionne pour moi. Ils seront, évidemment, ils ne seront pas conscients de tout le système autour d'eux. Disons, retournons à la coopération dans la nature. Alors, cela fonctionne très bien d'avoir les humains qui prennent l'oxygène et que les plantes nous donnent de l'oxygène, qu'ils prennent mais si quelqu'un regarde la forêt et que vous dites, OK, je vais vraiment couper toute cette forêt pour moi-même. Donc, il y a une interruption dans la coopération. Elle dit, je le rends très simple. Il y a des bonnes raisons quelquefois de couper le bois, mais ce que je veux apporter ici, de la façon que lorsque nous agissons pour l'intérêt de soi, donc nous interrompons le flot de la coopération. En fait, si quelqu'un est dans la conscience d'eux-mêmes en premier, je suis le plus important, je dois être servi en premier, je dois être celui qui... Je dois prendre tout ce qui est bon et quel que soit les restes peuvent aller aux autres. Ils ne voient même pas la toile qu'ils sont en train de créer autour. Lorsque nous avons l'amour vrai, nous pouvons regarder autour de nous et nous pouvons voir le fil de connexion entre nous et les autres. Nous pouvons voir comment nous faisons partie de la toile des relations. Ça n'inclut pas seulement les êtres humains, mais ça inclut aussi les animaux, les plantes, tout ce qui est autour. Nous voyons que tout fait partie du même. Nous sommes conscients et donc nous avons du respect. Et si nous ne le voyons pas, nous allons vraiment briser ces fils sans savoir que nous l'avons fait.
sans être conscients que nous avons brisé quelques systèmes, peut-être même que nous n'en prenons pas soin. Alors, lorsque ceci arrive à n'importe quel niveau, lorsque ça arrive au niveau de la nature ou dans les communautés ou même dans les familles, lorsque cela arrive dans le corps, cela crée des brisures, des fractures. La raison que nous avons beaucoup de ce qui se passe, que ce soit le changement climatique ou des familles brisées ou toutes sortes de choses physiques qui brisent, c'est que ça vient de la racine que nous ne pouvons voir, que nous n'avons pas cette vision d'amour et de coopération. Donc, il y a des brisures tout autour de nous. Ça peut nous sembler un peu, parce que le changement climatique, c'est vraiment une grande brisure. Et que ce soit toutes les guerres aussi, l'Iran, l'Ukraine, les familles les uns contre les autres, cela est vraiment désarmant, décourageant. Il n'y a aucune façon que nous ne voyons. Donc, nous essayons de réparer les dommages, mais les conférences ou les traités seuls ne fonctionnent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les traités, les conférences ne fonctionnent pas? Parce qu'ils sont l'expression extérieure, mais la machinerie intérieure n'est pas intacte. Donc, nous pouvons regarder l'âme. Nous pouvons avoir un traité, mais nous n'avons pas l'amour et le respect de ce traité. Nous pouvons faire des lois, nous pouvons faire des promesses, mais si le sentiment, si la détermination spirituelle n'est pas là, n'est pas présente, donc nous ne serons pas capables de guérir ce qui est brisé. Maintenant, quel est le remède? Parce que le remède, c'est l'amour, n'est-ce pas? Si la loi naturelle de coopération a quelque chose à faire avec la présence de cet amour illimité, c'est l'amour spirituel ou, si vous voulez l'appeler, l'amour humain. Et l'absence de cet amour crée des brisures, des cassures. Donc, le remède de ces cassures, c'est l'amour. Je suis certaine que beaucoup de gens vont dire, oui, mais cela va beaucoup trop lent, c'est trop lent. Nous sommes dans l'urgence et parce que le monde est en feu, mais en fait, sans amour, il n'y aura pas de guérison possible. Que parlons-nous de l'amour? De quoi parlons-nous? Ça fonctionne sous trois niveaux. L'amour pour le soi, qui a quelque chose à voir avec le respect de soi, le soin du soi. Beaucoup de bonnes personnes ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Ils vont au bout de leur capacité, mais ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Même avec le sommeil, la nourriture, ces choses de base, ils ne se tournent pas vers leurs propres soins. Le soin des autres, le prendre soin de notre famille, de notre communauté, je dois dire un mot à propos des soins de l'amour pour les autres. Je vais vous soumettre quelque chose que c'est très facile d'aimer les choses qui sont aimables. C'est facile d'aimer les enfants, les petits bébés, par exemple. C'est facile d'aimer les petits animaux. Nous n'avons aucun problème pour aimer les choses qui sont fragiles. Il y a des millions de vidéos YouTube avec les chiens, les petits chats, les petits animaux. Nous aimons cela parce que
nous cherchons cet amour. Et quoi, et ceux qui sont plus difficiles à aimer, les gens les plus brisés, les communautés très peut-être qu'ils insultent, peut-être qu'ils sont en colère. Est-ce que nous pouvons quand même les aimer, ces communautés? Ou est-ce que nous pouvons seulement aimer ceux qui sont jolis? Vous voyez, avec l'amour, ce n'est pas que cette chose devant soi, ce n'est pas que je vais aimer cette chose si ça se comporte bien, et si ça se comporte mal, je ne l'aimerai pas. Je dois vraiment prendre soin de moi. Je ne peux pas l'aimer parce qu'ils sont trop perturbants, bien sûr. Mais si nous pouvons les aimer, où est la coopération? D'où vient la coopération? Où est-ce que cette guérison vient? D'où vient la guérison? Et où est-ce que l'amour? D'où vient l'amour? Parce que si nous ce que nous disons, je peux seulement l'aimer s'il se comporte d'une façon aimante. Alors, en fait, ce que je dis, c'est je n'ai pas l'amour vrai à l'intérieur de moi. Parce que l'amour vrai, véritable, c'est une qualité naturelle du vrai soi et qui vient de l'amour naturel que nous avons avec le suprême. Il y a des gens qui sont si aimants, nous les adorons. C'est la nature du vrai soi d'être aimant. Non pas que nous allons retenir notre amour si quelqu'un se comporte de mauvaise façon et aimer si c'est le contraire. Non, l'amour, la coopération, c'est inné à l'intérieur de nous. C'est comme la loi universelle. C'est à l'intérieur de toute la création. Donc, nous devrions, lorsque nous sommes équilibrés et en santé, nous devrions naturellement être capables d'aimer les autres. Je me rappelle à l'anniversaire de Daddy Janky. À ce moment-là, elle avait 90 ans, donc il y avait un marquis à Oxford. Il y a à peu près 200 personnes à la table. Nous célébrions son anniversaire. Les gens lui demandaient des questions. Et il a dit quelque chose comme j'ai déjà dit. Quelqu'un a dit oui, oui, mais et à propos des terroristes est-ce que nous devons les aimer? Est-ce que nous pouvons oublier ce qu'ils ont fait? Elle a dit, vous devez les aimer si complètement, totalement, que vous ne vous souveniez même pas de ce qui est arrivé. Maintenant, je l'ai considérée comme étant presque une sainte. Donc. Mais c'est ce que nous parlons maintenant. La guérison pour la brisure, pour les cassures, c'est l'amour. C'est l'amour du soi, l'amour des autres, quoi qu'ils aient fait, ou même si nous pensons qu'ils ne le méritent pas, et l'amour pour celui au-dessus, la source, le créateur. Parce que lorsque nous ouvrons ce courant d'amour avec la source, disons, on va parler de cet amour, lorsque nous disons, oui, nous aimons la source, le suprême, nous aimons celui au-delà. Est-ce que celui-ci a besoin de notre amour? Non, pas nécessairement. C'est la source d'amour, donc c'est la fontaine. Mais lorsque j'ai créé une connexion d'amour avec celui-là, c'est comme j'ouvre un canal. C'est comme si j'ouvre un canal entre nous et l'amour se déverse sur moi, et non pas seulement l'amour, mais la coopération. Mais qu'est-ce que la coopération a l'air entre le soi et le créateur?
Avec la coopération, nous recevons tout ce qui nous manque. Peut-être que je manque un peu de patience, ou peut-être que je manque un peu de courage, ou peut-être que je manque la capacité de pardonner. Et lorsque j'ouvre ce canal entre le vrai soi et celui au-delà, je reçois de du suprême tout ce que j'ai, ce qui me manque, et je n'ai pas à le demander. Je ne dirais pas, oh, je manque un petit peu de patience. Peux-tu m'envoyer de la patience? Vous pouvez le faire, mais vous pouvez le dire, mais vous n'avez pas besoin de le faire parce que le courant entre les deux, du vrai soi et du créateur, c'est un courant de lumière, de vibration. Donc, ce courant va faire le travail. C'est une vibration, c'est sa présence. Il connaît ce qui me manque. Il va vraiment remplir ce que j'ai besoin. Et cela guérit tout, l'amour et la coopération, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, l'amour de soi et l'amour vers le suprême. Une autre chose, que j'ai un autre aspect de la coopération, et c'est un petit peu mystérieux. Donc, nous avons parlé de l'amour de la coopération, mais j'aimerais parler de la coopération et l'humilité. Alors, comme Manoj disait, en 2007, j'ai travaillé sur un livre avec mon ami Gayatri. Et c'est le party que je vous parlais tantôt, la fête de ses 90 ans de Daddy Janky. Et je suis allée la voir, je lui ai dit, Daddy, en l'honneur de ton 90e anniversaire, nous aimerions écrire un livre. Elle y a pensé pour une minute. Elle a dit non, je n'ai pas besoin de livre. J'ai pas besoin de livre. Donc, nous sommes retournés. Nous avons discuté, nous sommes revenus, nous avons dit, OK, nous voulons écrire un livre à propos de quelque chose que tu veux vraiment, qui est important pour toi sur le service de ceux qui servent. Elle a dit, OK. Alors, nous avons écrit un livre à propos de l'altruisme, ces moments de service dans lesquels quelqu'un juste spontanément donne d'eux-mêmes. Et ce livre se nomme Something Beyond Greatness, quelque chose au-delà de la grandeur. Et donc, c'était le biologiste Maturana, un biologiste, et la femme était Daddy Janky. Ce que nous avons fait, nous avons regardé ces histoires, ce que les gens ont fait il y a vraiment des actes altruistes incroyables ou d'amour incroyable. Et nous avons regardé ce qui allait à l'intérieur de cette personne à ce moment-là. Alors, je vais partager une couple de cela, donc, et je vais parler d'humilité. Une des histoires, c'est à propos d'un homme dans le journal, dans le New York Times. Il s'appelait le héros du métro, Wesley Autry. Et l'histoire, il se tenait sur la plateforme le matin avec ses deux petites filles. Elles étaient à peu près 3 et 5 ans. Elles se tenaient et sur cette plateforme, à côté de lui, il y avait un jeune homme qui a commencé à avoir
une crise épileptique et il est tombé dans la voie. Donc, cet homme a mis ses enfants dans les mains d'un étranger. Il est vraiment allé sur la voie pour ramener cet homme. Et donc, il a regardé, il a vu les lumières du métro qui arrivaient. Donc, il a poussé. Il a placé l'homme en dessous de lui. Il s'est mis par-dessus pour le protéger. Donc, le train n'a pas été capable de s'arrêter. Donc, et le train a passé par-dessus. En fait, le train ensuite s'est arrêté. Et Wesley Harty a appelé, il a dit, je suis OK, dites à mes filles que ça va. Et tout le monde sur la plateforme a commencé à applaudir et tout ça. Donc, il est venu du dessous du train, ils sont venus sur la plateforme et tout le monde pleure et il dit non, tu es un héros. Il a dit non. Non, il dit je n'ai rien fait. Et n'importe qui aurait pu faire cela. Et ensuite, il est parti. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Cela est arrivé il y a un peu plus tôt. Je ne sais pas combien vont s'en rappeler. Il y avait un temps où un avion était en train de prendre son vol à Washington, D.C. Il y avait une mauvaise température. Et lorsqu'il a commencé à monter, il a heurté une partie d'un pont et il est tombé sur la glace. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu cela parce que c'était à Washington, D.C. Beaucoup de gens sont venus à courir pour donner leur aide. Ils sont allés dans la rivière et ils ont aidé à ouvrir les portes et amener les gens hors de l'avion. Un hélicoptère est venu, un homme se tenait sur l'aile. Et cela s'est produit pendant longtemps. Et finalement, les gens disent... Donc, il y en a qui disaient à cet homme, viens dans l'hélicoptère. Et il disait, non, il continuait d'aider les gens. Finalement, il est tombé dans la rivière, il est mort. Donc, le magazine Times a interviewé les gens. Tiens, c'est incroyable ce que vous avez fait. Il a dit, non, je n'ai rien fait. Donc, un disait, ah, c'est le pilote. Et l'autre, il disait, vraiment, un autre disait, j'ai essayé de faire quelque chose et je n'ai rien fait. Après que nous ayons trouvé ces histoires, nous avons parlé à Daddy à propos de cela. Daddy, pourquoi est-ce que ces gens disent qu'ils n'ont rien fait lorsqu'ils ont vraiment, clairement, tout fait? Alors, il y a des photographies de ça, il y a des vidéos. Donc, ils ont fait ces choses. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont rien fait? Et Daddy a dit, ça, c'est de la façon, la manière que Dieu agit dans le monde. Si ce n'est pas le temps de quelqu'un de partir, donc Dieu va trouver un instrument et va travailler à travers cet instrument pour faire quelque chose. Elle a dit, donc, bien sûr, ils ont fait l'action, ils ont agi, mais ils n'étaient pas le générateur de cette action. C'est l'inspiration et le pouvoir pour l'action est venu de là-haut. Et à un certain niveau, ils le savaient. Ils savaient. Donc, les gens le savaient. C'est l'humilité, n'est-ce pas? Lorsque vous pensez que la coopération,
la vraie coopération vient avec beaucoup d'humilité. Parce que dans un certain niveau, vous réalisez, je ne suis pas vraiment celui qui fait ou qui agit. Je coopère. Je procure le corps. Je réagis aussi vite que je peux. Bien sûr que j'avais la volonté, mais ce n'est pas seulement moi. Cette qualité d'humilité qui s'installe. Donc, en fait, lorsque nous regardons l'histoire sur ce livre sur l'altruisme, nous réalisons qu'il y a un schéma qui était « Voyez avec la vision de l'amour, agissez du cœur, du fond du cœur. » Donc, ils n'ont pas beaucoup pensé et planifié, bien sûr. La vraie coopération, l'altruisme véritable, la pensée, c'est la chose la moins importante. Voyez avec amour, agissez avec le cœur. Et ensuite, il y a un petit peu de magie. Il y a un petit peu de magie autour de cela, au bon moment. Alors, lorsque nous pensons à la coopération, nous devons comprendre que c'est une loi naturelle, une loi universelle. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de vraie coopération sans amour véritable. Et nous voyons que l'humilité, c'est évident pour la qualité de la coopération spirituelle. Donc, il y a cette partie visible de la coopération dont nous avons parlé, mode nature, le corps, les communautés, mais ce qui vraiment est important, c'est cette machinerie spirituelle à l'intérieur. La machinerie spirituelle et la présence de ces vertus innées naturelles. Ici, on parle des vertus pour la vie. Donc, c'est cette série qui guide tout ce que nous devons faire à l'extérieur. Un homme très brave qui est descendu de la plateforme. En fait, c'est un acte d'un amour. Et donc, même pour la rivière, bien sûr, ils ont fait des actes de bravoure sur la rivière, mais en fait, à l'intérieur, c'est vraiment cette compassion, cette miséricorde, cette sympathie qui vient avec l'amour, qui émerge avec l'amour. Alors, je vais vraiment arrêter ici, à ce moment-ci, et je vais vérifier avec vous, parce que je propose plein de choses et je veux vraiment vérifier avec vous et voir si vous avez des questions. OK, quelles sont vos pensées à propos de cette affaire de coopération? Bradamana, je dis merci beaucoup. Oui, nous pouvons arrêter un peu et prendre les questions-réponses. Elle dit oui, nous pouvons méditer, mais j'aimerais entendre les questions. Elle dit, vous avez parlé beaucoup de l'amour véritable. Ici, chez les Brahma Kumaris, nous ne pouvons coopérer. Quelqu'un demande, je coopère avec tout le monde au travail. Peut-être parce que j'ai ce sentiment d'amour, mais je ne reçois jamais de coopération. Elle dit, je me sens un peu frustrée. Qu'est-ce que tu fais? Judy dit, c'est une très bonne question. Alors, un aspect de l'amour véritable, et je vais faire une distinction ici entre les relations aimante et ici les relations un petit peu comme de l'attachement. Il y a deux sortes de relations. Avec les relations d'amour, ils
fonctionne librement parce que nous n'avons pas vraiment d'attente. Nous ne faisons que donner. Juste donner de l'amour. Nous ne faisons que donner. Celui qui a aidé les gens pour l'avion et qui est tombé dans la rivière, il ne s'attendait pas d'avoir des fleurs. Il a tout fait seulement avec son cœur. Lorsque nous avons un peu d'attachement, quelquefois ça peut être juste un peu, alors il y a, nous sommes perturbés dans l'amour. Il y a une perturbation de l'amour. Quelquefois, nous avons des attentes. Des fois, un peu, mais quelquefois, beaucoup. Si c'est quelqu'un dans votre famille ou que vous connaissez beaucoup. Mais autrement, ça peut être juste un petit peu. C'est une bonne question, mais si je donne, et si jamais personne ne dit merci et qu'il ne me retourne jamais rien, même pas apprécier ce que je fais. Que j'apprécie tout ce que je partage avec eux. Donc, le remède pour ce désappointement ou ce sentiment, c'est d'enlever toutes les attentes ou les espoirs que nous avons. Est-ce que ça a l'air difficile? Mais en fait, si nous donnons parce que c'est une joie, donc, demandez à n'importe qui, est-ce que vous aimez mieux recevoir un cadeau à Noël ou en donner un? La plupart des gens vont dire, 9 sur 10 vont dire, ah, j'aime mieux les donner, j'aime ça lorsqu'ils ouvrent leur cadeau. Et donner, c'est ça renferme sa propre joie et ça fait partie de l'amour. C'est ce que tout le monde veut, donc c'est un aspect de l'amour. Maintenant, si nous sentons que je suis fatiguée, je donne, et ensuite nous devons vraiment nous ressourcer, nous devons nous emplir d'amour. Ce que nous faisons en nous connectant avec le Créateur, avec la source, l'énergie de source est une fontaine d'amour, ça ne finit jamais. Lorsque nous connectons à celui-là, donc, à ce moment-là, nous pouvons avoir un courant. Et même si nous sommes fatigués, bon, je donne, je suis fatiguée, donc celui-ci va nous emplir d'amour. Et idéalement, nous ne devrions donner que parce que nous sommes emplis. Nous sommes si emplis nous-mêmes que nous devons partager avec les autres. Si j'essaie de coopérer avec les autres, mais je suis fatiguée ou je me sens mal aimée ou je ne me sens pas aimée de moi-même, donc à ce moment-là, je deviens fatiguée dans ce processus de coopération. Alors, c'est mon obligation de me garder vraiment emplie afin que je puisse donner sans devenir fatiguée, épuisée. Le monde maintenant est très fatigué. Il n'a pas rien à nous donner. L'air est pollué. Les océans sont emplis de plastique. Le sol a perdu son énergie. Et les êtres humains sont fatigués. Donc, le monde n'a pas vraiment beaucoup à nous donner. Donc, ceux qui sont sur un chemin spirituel, ceux qui étudient la méditation, ce que nous essayons de faire, c'est d'apprendre comment nous remplir spirituellement, nous rafraîchir spirituellement, de nous renouveler spirituellement afin que nous puissions donner, afin que nous puissions coopérer, afin que nous puissions donner. Donc prendre soin de soi, c'est nécessaire afin que nous puissions donner aux autres. Donc, si vous n'avez plus d'énergie, que vous aidez ces gens au travail, comme ces gens au travail, vous devez vraiment vous remplir en étant tranquille, aller vers la source et laisser cette source y penser avec l'amour et ressentir ce
courant qui vous remplit, le courant de l'amour, le courant de la paix, de la joie, de la bonté, la sympathie. Tout cela vient, le courant vous remplit, donc vous êtes tellement rempli, donc vous donnez donc du trop plein. Et vous n'attendez rien en retour. Merci, c'est une très belle réponse. Ça résonne à propos de Nelson Mandela qui disait, si vous voulez la coopération des gens autour de vous, vous devez les faire sentir qu'ils sont importants. Et vous le faites en étant naturel et humble. Est-ce que tu pourrais explorer à propos d'être naturellement dans ma coopération et dans l'humilité? Donc, lorsque nous avons fait la recherche, dit Judy, lorsque nous avons pensé à l'altruisme, nous avons pensé au même nom. Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, Et quelquefois, on mentionne Mother Teresa et un autre, le King. Ce qui est incroyable en teint de la façon d'avoir la coopération, Mahatma Gandhi, il a montré un respect très profond avec les autres. Nelson Mandela, pardon. Il a eu cette capacité de voir à l'intérieur des cœurs des gens et de gagner leur cœur. Il y a un livre qui a été écrit sur ces négociations à la fin. C'était clair qu'il était un leader pour ce congrès en Afrique. Et le président de l'Afrique du Sud le négociait avec lui. Et Mandela, initialement, il était dans sa cellule avec son costume de prisonnier. Puis le président venait négocier avec lui dans sa cellule. Et à un moment donné, ils ont dit, est-ce que vous pouvez lui procurer des vêtements? Je trouve ça difficile de... Donc, les négociations ont continué et le président dit, je pense que nous devrions le faire dans un petit cottage près de moi pour que nous n'ayons pas à nous déplacer si loin. Donc, pas à pas, il a amené... Avec son humilité, il a vraiment coopéré avec lui pour l'élever. Donc lorsqu'a été. Lorsque c'est venu le temps de transférer les pouvoirs, il a toujours gardé son humilité. Il n'a jamais demandé à avoir des vêtements, tout cela. Et après. Et lorsque donc elle parle un peu vite dans cette histoire, je la connais pas beaucoup, mais tout ce que je vois, lorsque je vois toute cette toile de coopération autour de moi, c'est ce qui fait que l'humilité. OK, c'était Luther King, l'autre. Je pense que nous avons le temps pour des questions. The sister is saying that my boss is full of himself, very egoistic. I know that. Quelqu'un dit qu'il y a quelqu'un qui est très égoïste, mais qu'il coopère aussi. Comment pouvons-nous dire que l'ego interrompt la coopération? Judy répond, ego a un spectre. Bon, il y a
À la fin, oui, je suis très important. Bon, j'ai beaucoup d'argent. Et donc, ce sont mes gens, ils sont bons. Et de l'autre côté, je suis tellement important que rien d'autre n'importe. Donc, c'est comme si votre patron, il est peut-être qu'il est très fier que vous travaillez pour lui et donc très coopératif. Il y a l'ego de la supériorité et l'ego, il y a aussi l'ego de l'infériorité. L'ego, c'est un sujet très complexe. L'ego, c'est vraiment la façon que c'est un soi qui est construit à l'opposé du vrai soi. Donc, je suis le patron, je suis l'autorité, je suis celui qui est important ici, c'est cette partie-là. Mais quelqu'un peut avoir la conscience de cela et aussi avoir un bon cœur. Mais d'une certaine façon, l'ego va vraiment venir dans le chemin. Donc, OK. Je fais partie de ce monde et j'ai fait ce que j'ai à faire dans ce monde. L'autre question, la sœur dit, nous avons besoin de beaucoup d'aide et de coopération, cependant, quelquefois, recevoir et demander pour la coopération me fait sentir lourde. Je me sens faible. Je sens que j'ai le besoin de demander de l'aide. Comment est-ce que je peux comprendre que je ne devrais pas me sentir comme cela? Donc, Judy dit, c'est une très, très bonne question. Question profonde. Alors, nous allons aller profondément. Alors, la coopération dans sa forme pure est naturellement de donner. Elle nous a été donnée naturellement. Vous peut-être demandez à quelqu'un de coordonner avec vous. Mais la vraie coopération a été donnée gratuitement. Lorsque vous sentez que dites que vous sentez faible parce que vous avez besoin d'aide, je suggérerais assurez-vous vraiment de vous emplir parce que de se sentir un peu faible, ça veut dire que je me sens un peu vide, peut-être que je ne me sens pas digne. Donc, je dois demander aux autres, mais commencez à vous emplir vous-même. Une des lois universelles, c'est la coopération, mais une autre loi universelle que j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'était le karma, bien sûr. Donc, lorsque nous sommes emplis, donc vous méditez tous les jours, non pas seulement occasionnellement, mais chaque matin, vous asseyez, vous allez ouvrir soi, vous vous connectez, vous renforcez votre méditation, votre paix, votre joie, votre coopération. À cet endroit, vous êtes naturellement, vous vous donnez naturellement, même si vous ne pouvez pas bouger les montagnes par vous-même, mais naturellement, vous donnez autour de vous parce que vous êtes si empli. Ce magnétisme, c'est une coopération magnétique, c'est une chose. Mais l'autre chose, ne permettez pas les sentiments de faiblesse remonter. Lorsque ce sentiment vient, je n'aime pas demander de l'aide, alors dites-vous, je donne une chance à quelqu'un pour faire du bon karma. Ils ont la chance de coopérer avec moi. Alors, voilà, je peux faire beaucoup, mais je ne peux pas tout faire. Alors, j'ai besoin d'un peu de soutien. Mais ne prenez pas de peine parce que de prendre de la peine, c'est quelque chose que vous faites. Ils ne font pas cela. Je pense que je peux le savoir que vous le savez à propos. Grâce à votre question. Donc, renforcez-vous vous-même avec votre méditation et ne laissez aucun sentiment de peine venir à vous.
Donc, il dit, c'est incroyable, ça me fait penser à David Jeanchi. Il dit souvent, nous ne donnons pas de peine, mais nous prenons de la peine des autres. Judy dit, habituellement, ce sont les bonnes gens sont ouverts. Et lorsque quelqu'un dit quelque chose qui blesse, donc ils prennent la peine. Nous devons vraiment réaliser que nous permettons à la peine de venir et nous ne voulons pas faire cela. Nous devons garder notre cœur très, très propre. Daddy Jane qui parlait beaucoup à propos de l'importance d'avoir un cœur propre. Et un cœur propre, ça veut dire que je n'ai pas pris de peine. Je ne me sens pas lourde, je n'ai pas peur, je ne suis pas anxieuse. Mon cœur est empli d'amour et de courage et je donne cela. Donc, nous devons regarder notre propre cœur, l'amour du soi. Donc, c'est de coopérer avec le soi aussi. Une autre situation, dit le frère, qui comporte un défi, ça vient de l'Inde, parce qu'à l'Inde, et ce sont les familles. Donc, c'est à propos un beau-père et une belle-mère. Elle dit, je coopère avec ma belle-mère, mais il y a deux émotions qui viennent, la compétition et la critique. Et lorsque je prépare quelque chose, mon mari compare toujours avec ma belle-mère. Elle dit, je n'aime pas ça. Et donc, ensuite, elle prend Et donc, sa belle-mère prend l'opportunité pour dire, OK, je t'ai dit de faire ceci et cela. Comment gérer tout cela? Jody dit, oui, bien sûr. Premièrement, je ne veux pas résumer que je comprenne la culture indienne, mais j'en ai beaucoup entendu parler et cela peut être vexant, ces situations. Je veux retourner dans quelque chose que j'ai dit un peu plus tôt. Je peux dire qu'il y a un peu de peine là-dedans. Une chose que Daddy Janky m'a dit, j'ai pris beaucoup de bénéfices de Daddy Janky. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, ça fait partie de ma fortune. Un jour en Inde, elle parlait devant beaucoup de gens avec un homme d'Angleterre et il se plaignait. Elle disait, ce n'est pas juste, ma famille ne me supporte pas, ne me soutient pas. Elle lui a donné un petit cours, miniature, comment nettoyer son cœur. Elle lui a dit, Andrew, tout débute avec le cœur. Le cœur rend la peine et la joie et l'amour, tout comme la joie et l'amour. Et il garde la peine, la joie et l'amour. Si tu veux gérer vraiment te libérer de ces liens, elle appelait ça des liens avec ta famille, tu dois nettoyer ton cœur de toutes ces choses qui sont à l'intérieur, ces peines, ces ressentiments. Tu dois les nettoyer, nettoyer ton cœur. Alors, je pense que le cas que vous parlez avec votre belle-mère, est-ce que se comporte de mauvaise façon? Oui. Est-ce que ce serait mieux si elle était généreuse et aimante? Mais elle ne l'est pas. Et tu dois vivre avec. Donc, la seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Tu ne peux pas changer ton mari qui est très loyal à sa mère. Tu ne peux pas changer ta belle-mère, mais tu peux te changer toi-même. Et c'est où le pouvoir spirituel intervient. Tu peux regarder dans ton cœur. Et si nous avions toute une journée à Peace Village, nous prendrions 6 heures pour vraiment le faire, mais je vais te donner juste, tu peux
apprendre à regarder à ton cœur et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu peux voir qu'il y a de la peine de cette compétition et ces critiques que tu prends de ta belle-mère. Maintenant, une façon de le regarder, c'est bien sûr, elle m'a traité de mauvaise façon, mais de l'autre façon, je suis une âme aimante et coopérative et je deviens un maître spirituel. Peut-être que je mets la barre haute, mais nous sommes donc ceux qui veulent être sur un chemin spirituel, ils veulent avoir une sorte de, ils veulent une certaine maîtrise. Et un maître spirituel, c'est de développer la force à l'intérieur afin que la belle-mère se comporte de telle façon qu'il y aura de bons souhaits. Ce que vous devez faire et vous allez dire c'est irraisonnable mais, et c'est vrai, mais vous devez vraiment développer un tel amour dans votre cœur que tout ce qu'elle dit, c'est comme une brise. Vous devez vraiment libérer votre cœur de toutes ces vieilles histoires, toutes les choses qu'elle a faites et ne pas laisser ces petits films se produire dans votre esprit. J'ai donné une conférence dans les Caraïbes et c'était vraiment, nous avions beaucoup de temps, mais et cette femme est venue à la pause, elle a dit, est-ce qu'on nous peut parler? J'ai dit oui. Donc, elle a dit, bon, je veux que tu saches que ma belle-mère me traite de façon si mauvaise. Elle a dit oui. Elle louange sa fille et ses enfants. Elle donne des cadeaux à ses enfants. Elle ne m'amène nulle part. Elle ne me présente pas lorsque nous avons des invités. Et je lui ai dit, ben, je suis si désolée. Elle dit, est-ce que ta belle-mère vit près de toi? Elle dit, oh, elle est morte depuis 35 ans. Je dis ça parce que nous portons notre peine longtemps après que les âmes ne soient plus ici, que les gens ne soient plus ici. Tout ce que sa belle-mère fait, c'est son retour karmique. Mais pour toi, pour devenir un maître spirituellement, tu dois laisser aller cela. C'est la victoire. Donc, laisser aller toutes ces histoires, c'est la victoire. Incroyable. Elle dit, bon, les gens aiment parce que j'ai plus de questions. Il y a deux questions, elles sont similaires à propos d'être cette conscience d'être un instrument. Il y a aussi une autre qui dit, est-ce que Dieu a besoin de notre coopération? Est-ce que je peux coopérer avec Dieu d'une certaine façon? Donc, OK. Donc, Judy dit, la conscience d'être un instrument, c'est à propos d'avoir une certaine conscience. Si je ne suis pas sur un chemin spirituel, si je ne suis pas éveillée spirituellement, donc je sens que je fais tout moi-même, que je fais tout moi-même. Donc, l'homme à Washington, D.C., il aurait dit, nous sommes des héros, même celui sur l'avion aurait dit, j'ai fait tout cela moi-même. Mais lorsque nous avons une conscience spirituelle, même si ça fait depuis peu de temps, nous sommes conscients qu'il y a une énergie plus grande, il y a une plus grande présence dynamique qui travaille et le physique, les actions physiques sont vraiment l'évidence de cette dynamique. Alors, lorsque je me connecte, nous allons
Donc, les trois sortes d'amour, avoir l'amour du soi, l'amour pour les autres, même s'ils se comportent de mauvaise façon, même s'ils ne sont pas aimables, et avoir l'amour pour le Créateur ou la Source. Et lorsque vous avez l'amour pour la Source, vous ouvrez le canal et vous recevez tout ce que vous avez besoin. Vous recevez tout ce que vous avez besoin. Plus vous pratiquez cela, plus vous allez réaliser que, en fait, vous êtes un instrument. Un imitant en hindi, vous êtes un instrument pour quelque chose de plus grand. Donc, plus vous allez abandonner votre conscience au bon qui prend place dans le monde, je permets à mon esprit d'être disponible, mon corps d'être disponible, ma santé disponible pour cette plus grande tâche dans le monde. Maintenant, vous êtes un instrument. Vous êtes un instrument conscient, une conscience instrument. Si vous voulez vraiment être une conscience instrument, vous devez vous voir comme l'être humain. Il y a l'humain, mais il y a l'être. Donc, c'est la présence spirituelle à l'intérieur et cela connecte avec l'énergie de la source. C'est là, à ce moment-là, que cette énergie commence à travailler. C'est cette conscience que vous devez tenir. Plus vous le développez, ça devient plus facile, plus naturel. Et ça ne viendra pas à l'idée que vous faites quelque chose, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà. Est-ce que Dieu a besoin de mon aide? Comment coopérer avec Dieu? Bon, Daddy disait, regarde, Dieu va le faire d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Dieu prend l'aide de si vous êtes prêt et que vous êtes un instrument consciemment, Dieu va vous utiliser et donc vous allez aussi recevoir le compte karmique de cela. Vous allez recevoir le retour et aussi les bénédictions. Et donc, vous allez recevoir des bénédictions lorsque vous coopérez avec Dieu de cette façon. Est-ce que Dieu a besoin d'aide? Il va prendre votre aide si vous êtes disponible. C'est notre fortune. Bon, OK, donc ça répond à l'autre question. Quelqu'un demandait comment est-ce que nous recevons des bénédictions et je pense que c'est la dernière question. Est-ce que la coopération arrête mon progrès personnel parce que nous n'avons pas... La question, c'est... Donc, quand je coopère, est-ce que ça brise mon progrès parce que je ne peux pas me focusser sur moi-même? Judy Daddy dirait sûrement une classe spirituelle qui dit aussi, lorsque je sers le soi, je vais naturellement servir les autres. Lorsque vous dites focusser sur mon progrès personnel, je ne sais pas ce que vous ressentez. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais ce que nous disons, oui, OK. Donc, je deviens introvertie. OK, on va le faire ensemble. Donc, vous êtes assis confortablement. Vous n'êtes pas couché, non? Alors, vos pieds sur la table, sur le sol. Et votre cou est au-dessus de votre colonne. Donc, vous êtes assis confortablement. Et présentement, il y a tous ces mots
parce que tous ces mots autour de votre tête, parce que j'ai parlé pendant une heure. Vous n'avez pas besoin de ces mots. Laissez-les aller comme les nuages. Et vous n'avez pas besoin de penser. Alors, tranquillisez votre esprit. Portez votre attention à l'intérieur. Tournez votre visage à l'intérieur. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, votre monde, vos sentiments, vos paroles, vos pensées, les opinions, vos mémoires, tout cela, le cœur, tournez votre attention vers l'intérieur et tranquillisez votre esprit. Juste dire à votre esprit de devenir tranquille. Et lorsque vous faites cela, vos pensées vont ralentir. Et là, vous dites à votre esprit de devenir très tranquille et tranquillisez votre esprit au même rythme que votre respiration. Dites à votre esprit de devenir complètement silencieux et devenir conscient de vous-même comme une présence éternelle qui est assis derrière les yeux. Gardez vos yeux ouverts. Donc, cette présence intérieure regarde à travers les yeux et cette présence écoute à travers les oreilles. Ce corps est un instrument pour votre profit, mais ce n'est pas vous. Ensuite, vous tournez votre attention au-delà avec la pensée pure que vous voulez connecter avec la source de vie et d'amour. Ça n'a pas besoin de prendre du temps, ça arrive dans un instant. Vous, le vrai soi, connecté avec la source de l'amour et de la vie. C'est votre relation la plus ancienne et à chaque fois que vous connectez avec cette source, vous êtes empli d'amour. Vous êtes empli de courage, de bonté. Et lorsque vous êtes empli de ces qualités d'amour, de courage, de bonté, alors naturellement, vous coopérez avec ces qualités. Donc, vous gardez ce lien avec le divin. Maintenant, pensez à une âme dans le monde qui a besoin de votre soutien maintenant, juste une. Et en maintenant cette pensée élevée d'amour, de coopération, laissez ces vibrations se projeter instantanément sur cette âme. Et lorsque nous faisons cela, nous servons le soi et nous servons les autres. Om Shanti. Thank you so much for this experience. Alors, Manoj Bhai dit merci beaucoup pour cette belle expérience. Donc, je demanderai à Sister Claudia de prononcer les mots de remerciement.
Et c'était vraiment extra. C'était vraiment profond. Et nous pouvons voir combien c'est important l'amour dans la coopération. Nous avons pris beaucoup de toi aujourd'hui. Je suis certaine que chacun qui a écouté aujourd'hui a beaucoup apprécié. C'est essentiel pour nous parce que nous vivons des crises. Et tu as été l'instrument pour nous montrer l'amour de Dieu. Donc, merci d'être avec nous. Thank you all of you. It was lovely. So sorry, before you go, a few more minutes. So thank you, Sister Claudia. And, alors, merci, Sister Claudia. Je vais demander à Sister Anu de prendre la photo comme d'habitude, et aussi les annonces. And maybe the last few minutes, Sister Judy, if you have time, we can hold on to that loving vision that you very thoroughly, deeply took us in. And take drishti from you with a little music, 2-3 minutes. So, okay. So, 3 things. We have to start with taking our picture with Sister Judy. So, whoever like to have the photo, please open your alors, video. Tous ceux qui veulent avoir la photo, ouvrez votre vidéo. There is one more few seconds. I can wait. Anyone? We got that. And very quickly, I'll also make the announcements. Anu va faire les annonces. The workshop on cooperation. Nous allons avoir un atelier sur la coopération avec Brother Neville Atkinson le 1er janvier. We'll have experiential exercises to deepen that value of cooperation within us. And also we'll have Brother Neville joining us from GRC UK, who will, you know, give us more insightful talk information about cooperation and meditation. So it's happening on Sunday instead of our regular Saturday. Ça arrive le dimanche au lieu du samedi, le 1er janvier. Time, please note the timing, and it would be very early, 6 a.m. for West Coast, US, Canada, and that's 9 a.m. for East Coast. So donc, I think ça sera 9 heures pour le Canada. C'est plus tôt. With this beautiful virtue, the value. So donc, please join. Nous allons débuter notre année 2023 avec cette belle valeur de coopération. Et la prochaine session, ce sera l'épisode 56. Avec Becky Jayanti Didi, qui va nous joindre de Londres le samedi 7 janvier. Donc à 10 heures, 10 heures pour nous, pour le Canada. Et vous pouvez recevoir toutes ces informations sur notre site web. Very, very powerful video of today's session with Sister Judy on our YouTube channels. That's Vyasa India and Brahma Kumaris. Thank you, everyone. And it would be really great to sit in a few minutes of that beautiful silence. Yeah? Thank you.
Thank you so much once again, Sister Judy. Thank you so much. Thank you, everyone. Merry Christmas. Merci à tous. Joyeux Noël. Thank you. Om Shanti.